Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo détente sur Battlefield 3. Voilà, en match à mort par équipe une nouvelle fois. Alors je vais commencer, vous avez vu, on est donc en match à mort par équipe sur la map Frontière Caspienne. Je vais commencer avec la PDWR, ou le PDWR, du moins c'est un pistolet mitrailleur. Voilà, c'est mon arme du moment. Que ce soit sur console, j'allais dire sur PC, mais non, parce que sur PC, je ne l'ai pas, j'y ai pas encore accès. Donc pour le moment, c'est sur console. Voilà, toi, reste tranquille. J'avais commencé à l'aligner du moins, et après, je l'ai fini à la grenade. Donc je vais vraiment essayer de vous proposer, on va dire, un gameplay de qualité, tant au niveau des kills qu'au niveau du teamplay, c'est-à-dire faire les... Allez, bouge de là, putain, je peux pas aller faire le raid. Ouh, bien loupé ça. Ah, par contre, il va pas falloir que je les loupe. Allez. Allez, mec, il reste campé là, quoi. Voilà, ma première réa. Oh putain, derrière, c'est pour me faire avoir. Est-ce que lui va me raise? Non, apparemment non. Allez, on va essayer de passer sur la droite là. Même si c'est toujours très compliqué. Parce qu'en général, il y a des snipers ou il y a des mecs avec les gros fusils mitrailleurs, hein, M60, M240, voilà, tout ce qu'il faut. Je viens de me faire aligner. Voilà, reste tranquille. Oh putain. Ouh, ça s'appelle de la chance là. Je vais attendre de récupérer un peu de vie. Bon, lui, je l'ai pas eu. Mais on l'a eu pour moi, donc ça c'est une bonne chose. On va essayer de faire le tour un peu du caillou. Essayer peut-être d'en prendre un ou deux dans le dos. Oh, il est pas mort lui. Ouh putain, avec les deux balles du Rex là, il est pas mort. Allez, c'est un début de partie, dira-t-on, correct. Ah, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, je vous l'accorde. Mais ça reste somme toute correct. Ah, le tout maintenant. Voilà, toi, reste tranquille. Essayer de poser des soins un petit peu partout. De façon à pourquoi pas aider, mais. Mes coéquipiers. La trousse est à tes pieds. Où y'a personne là? Ça m'étonne. Il vient de se faire aligner là. On va attendre là parce que ça m'étonnerait pas que ça arrive. Ça va arriver de toute façon. Ma grenade au fond là-bas. Regardez, je l'ai eu. Ah, est-ce que je tente de remonter sur le caillou ou pas? Le problème du caillou, c'est que je me dis que je suis quand même visible. Comme le nez au milieu de la figure. Allez, on est bien parti. Et que c'est pas forcément la meilleure des choses. Je sais pas ce qu'il fait lui. Et moi je vais faire le tour. On va pas les prendre de front. On va essayer un petit peu de contourner tout ça. Je me dis que de passer par le bas là, ça peut m'apporter un petit avantage.
encore faudrait-il qu'il soit par là. Il y est. Ouais, ouais, mais pousse-toi, j'y vais. Ouais, et il était pas tout seul. Allez, quelques soins. Oh, ça arrive en face là-bas, vous avez vu. J'ai bien peur que ça arrive très fort. Voilà la trousse de secours. Voilà, reste tranquille aussi, toi. Ça fait le tour en bas, non? Et quelques soins là. Il y a un mec sur la route. La trousse est à tes pieds, prends-la. Oh putain, dans mon dos. Ah mais il est dans le buisson couché. Ah ouais, ça par contre, honnêtement, couché dans le buisson, je m'y attendais pas là. Hein. Vais-je avoir le temps? Non, j'aurai pas le temps. Bon, il y a du monde par là, de toute façon. Et passe par-dessus, toi. Super. Ah, le personnage buggy dans la structure, là. Et je vais me faire tuer. Tout ça à cause de mon perso buggé dans cette putain de structure à la con. Là, il y a du monde là. En face là, ouais. Il y est sur le caillou là-bas. Vas-y, soigne-toi avec ça. Oui, il l'a eu. Voilà, ils ont pris une petite correction, ça s'appelle, je crois. Très bien. Tu veux des soins toi ou pas? Oh putain, il m'a eu. Ah, bien joué à lui. Il m'a eu sur la fin. Ah, ça aurait été une plutôt bonne partie. Je suis pas mort trop de fois. Un petit 9-3, ça rien de. Voilà, vraiment rien d'exceptionnel. Mais en même temps, j'ai pas croisé énormément de monde. J'ai pas perdu énormément de duels sur les. Du moins, j'ai croisé 9 personnes. Je les ai tuées, mais j'ai pas perdu énormément de duels sur les personnes que j'ai croisées. Donc, je trouve que c'était quand même une. Une assez bonne partie. Donc on va voir un petit peu la map suivante. Hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. J'avoue que mon expérience PC, où je joue un petit peu plus en ce moment sur PC que sur console, m'apporte le, on va dire les réflexes. Parce que c'est vrai que sur PC c'est totalement différent. Il faut vraiment être à l'affût du moindre truc. Alors, parce que sur PC, c'est nettement plus. Quand vous arrivez à manipuler la souris et le clavier, c'est quand même beaucoup plus facile de bouger, de tourner, qu'avec une manette. Même si vous pouvez augmenter la sensibilité, mais vous aurez jamais le rendu d'une manette, du moins d'un clavier et d'une souris. Donc, une fois que, du moment que vous arrivez à choper un petit peu le truc pour avoir ces réflexes un petit peu plus rapides, après vous arrivez à tirer forcément un petit peu plus vite que vos adversaires. Je dis pas que c'est encore ça, hein, mais ça commence à venir tout doucement. La preuve, hein, je suis mort que 3 fois. J'ai des déplacements qui sont un petit peu plus logiques par rapport aux maps. Par contre, pour moi, le seul défaut du jeu sur PC, c'est que, à part en conquête où les maps sont très grandes et sont étudiées pour PC, après quand vous faites du match à mort par équipe, ou la domination sur Close Carter par exemple, quand vous jouez à 32. Donc ça peut être 20, ça peut être 32, 16 contre 16, après il y a même plus 32 contre 32. En domination, vous avez du ça va jusqu'à 16 contre 16. 16 contre 16 sur les maps de Close Carter, c'est très petit
Et je peux vous garantir que c'est super chaud de réussir à parcourir les maps. Allez, quelques soins. Il faudra réussir à sortir. Je vais essayer de sortir de l'autre côté. Ah, ça va, il n'y a personne. Ah putain, dans mon dos. Je l'avais pas vu. J'avais vu mes coéquipiers, mais je l'avais pas vu du tout. Je sais qu'il y avait du monde à l'étage, au premier étage du bâtiment là. Et pourquoi il peut pas sortir? Ah d'accord, la porte est pas cassée. Allez, on va rentrer dans le métro. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète, ça va revenir. Faut faire gaffe, ouais, ça campe beaucoup là, ces endroits-là. Oh, il n'y a plus personne. Et beaucoup de monde tout à l'heure, ils étaient tous là. Il y en a au moins deux ou trois là. Ah, dommage toi. Oh, par contre, faut aller faire la réal. Hein. Ah, j'ai croisé, on va dire strictement, personne. Il faut dire que j'essaye quand même de contourner là. Éviter de me faire choper de face et de mourir connement. Voilà, toi, reste tranquille. Oh putain. Et ouais, le petit triangle bleu que j'ai vu, j'ai cru que c'était le mec à côté de celui que j'ai tué. Je me suis demandé pourquoi il le butait pas. Bah c'est juste parce qu'en fait ça avait rien à voir avec un allié. Ouais, je l'ai vu, putain. Allez, bouge. Hop. Lui, je sais pas comment il a fait. Vous avez vu, il a apparu, disparu, sauté par-dessus. J'étais en train d'y tirer dessus, il a complètement disparu de l'écran. Après, c'est un pote à lui qui est apparu au fond. On va remettre une grenade là-haut. Je me dis qu'éventuellement, peut-être encore du monde. S'il repasse, il est mort, lui. Pensez bien qu'il repassera pas. Petit malin. Il est là. Eh ben, on va aller les chercher. C'est pas très grave. J'adore quand il faut contourner comme ça. Oh my god. Revive me. Dommage de m'avoir. Ouf, ouais mec, je suis même plus sur son écran, il arrive encore à me toucher. Vas-y, prends la trousse de secours. Oh non. Oh non, je suis pas d'accord. J'ai attaqué à tirer en premier. Le mec il lui a 16% de vie. Je suis pas super d'accord avec ce qui vient de se passer là. Et encore une fois, vous avez vu? Vous avez vu ce que j'y ai mis? 18%, je suis dégoûté. Putain, je devrais faire une meilleure partie que ça parce que les mecs, j'attaque à tirer en premier. Surtout que je suis précis, quoi, je les touche et je fais même plus que les toucher. Quand je vois l'endroit où je touche, normalement. On va essayer d'éviter de rester en plein milieu de la rue. Voilà.
Allez, recharge vite, mon pote. Oh, il y en a un à l'intérieur du métro encore. Oh putain. Allez, le mec derrière moi. Allez, j'ai eu le premier, j'ai pas pu avoir le deuxième là par contre. Petit 5-5, c'est petit ratio de 1, mais rien d'exceptionnel. Hein. Ah, puis le problème, c'est que là, ça campe là. J'ai rechargé pour le cas où ça monte. Voir les meilleurs du monde en plus. Hein. J'ai même pas eu l'assist. Petite grenade là-bas au fond. Là, je l'ai eu. Là, j'ai eu l'assist encore. Oui, on voit, il y a du monde encore dans ce bâtiment. Voilà. Faire attention à l'étage là-haut. Par contre, je n'ai plus de munitions. Donc, c'est-à-dire que la première arme qui passe, j'ai eu les deux. Oh, ça va, ça fait une bonne partie là pour le moment. Hein. J'ai eu un peu de mal à la lancer. Oh lui, ce qu'il a fallu pour mourir. Il y a du monde. Hein. J'allais dire, c'est monté mon pote. J'ai récupéré ma PDWR. Ok les gars, il en reste plus que 5. On va y arriver. Pas comment j'ai fait, très certainement parce que je suis mort. Attention, 3 hostiles restants, terminé. Oh putain. Je l'ai pas vu monter lui. J'avais vu le mec en bas des escaliers. Ah oui, bon, il m'a retué. Oh bah écoutez, encore une victoire pour Canard. N'est-ce pas? C'est pas beau ça? Chouette. Deuxième, un petit 13-7. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal au début à mettre dans le truc. Hein, un petit 5-5. Après, c'est parti. C'est quand même parti tout seul du moment où j'ai eu réussi à faire le tour. À faire le tour, à en prendre certains dans le dos. Et encore, j'ai pas eu de pot en bas parce que j'étais à court de munitions. Donc, quand je suis descendu après, ils étaient bien sur la droite de la carte. Et encore. Quand vous rappelez-vous, quand je me suis caché, quand je me suis allongé, le mec était allongé juste devant moi, ce qu'il a fallu comme balle pour que j'arrive à l'éliminer. Mais bon, ça reste quand même une bonne petite partie. Et je pense qu'on va faire une voire encore deux maps. Hein, ça fera à peu près une grosse trentaine de minutes en termes de vidéo. Et puis demain, hein, donc mercredi, ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez un nouvel épisode de Battlefield 3. Très certainement un nouvel épisode du tour des maps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et comme d'habitude, hein, le 34e épisode de PES, hein, ça vous avez l'habitude. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent quand est-ce que reviendra Need for Speed. Alors avec les fêtes, hein, je pense que c'est comme vous. Voilà, moi travaillant, je fais plus d'études, donc j'avais pas de vacances à cette période-là. J'ai passé mes fêtes en famille, donc il y a forcément un jour dans la semaine, c'est tombé à chaque fois le vendredi où ça a été plus compliqué de produire des vidéos. Mais voilà, maintenant ça va revenir tranquillement, les vacances sont finies, les fêtes sont finies, du moins les vacances, les fêtes sont finies. Hop là, mon premier kill. Attention, le premier ennemi a été tué, terminé. J'ai vu lui. Vas-y, prends la trousse. C'est moi ou il y avait quelqu'un là?
Allez, on va essayer de contourner. Ils doivent être en face à tous les coups. Ah non, ils sont là, là. Ils sont sur le toit, là. Vais-je réussir à choper le premier sur le toit? Ça m'étonnerait, à mon avis. Soit il est mort. Mais il y a du monde en face sur le toit, non? Si c'est pas sur celui-là, ça va être sur l'autre, là-bas. D'accord, donc là, il n'y a personne sur le toit. Par contre, on va redescendre. Parce qu'il y a du monde à l'étage inférieur. Ah, il y a du monde dans le bâtiment. Donc qu'est-ce que tu fais, toi? Oh non! J'avoue, j'ai quand même été très maladroit là. J'ai bien tiré à côté ma première rafale. J'avais fait un petit peu de tir d'anticipation, mais à faire du tir d'anticipation, faut quand même essayer d'être précis. Sinon, ça ne marche pas. Il doit y avoir du monde aussi dans le bâtiment là, je pense. Ouais. Allez, recharge, recharge. Voilà une trousse de secours, soigne-toi. Tiens, si tu veux des soins, toi. Tiens, trousse de secours. Allez, mets ton couteau là. Dommage, tu connais pas encore. Ça viendra, ça viendra. Quand tu te seras fait tuer 2-3 fois par là. Je te promets que tu ne te feras plus avoir comme ça. Donc là, à mon avis, ça va repop encore dans notre dos. Au moins qu'on leur ait carrément repris leur pop. Je pense qu'il y a un type au-dessus. Allez, j'y vais. Je prends le risque. Je prends le risque de monter. Je me dis qu'avec un peu de chance, il y a un mec là. Toi, arrête de camper là et tuer mes potes. Voilà. Yipipipip. Si, ça passe facile. Quand t'es un super soldat, un uber soldat, comme on disait dans les jeux style Wolfenstein. Hop. Le joli jet de grenade loupé. Voir. Dommage pour lui. Il va venir me chercher ou pas? Oh merde! Ah, je l'ai vu trop tard. J'avais déjà attaqué avancé. Ah, bien joué la Clément. Ah, bien posé au bon endroit, nickel. Il y a un mec là, hein, je l'ai vu. Hein. Putain, je l'ai juste touché lui. Hein. Oh, où il est? On est à mi-chemin, accrochez-vous. Oh oui, bien joué. Et moi, le problème de ma PDWR, c'est qu'elle est très très bien à courte distance, hein, mais sur les longues portées, c'est un petit peu plus compliqué de jouer avec. Peut-être que ma grenade là peut être bonne. Moi je dis que ça se tente. Je retente de monter, je suis un fou. Ah putain! Eh ouais, le mec il est sur le toit encore en face là-bas. J'aurais pu avoir les deux tranquille. Ah, c'est le risque, hein. Oh putain, lui par contre il m'a bien défouraillé. Il avait bien attaqué à tir avant moi. Je veux dire, c'est le risque, ma pauvre Lucette. Ah, j'essayais d'être silencieux. Il aurait peut-être fallu que j'essaye, je prône l'efficacité plutôt que le silence. De toute façon, ils sont encore là. Hein. Alors là maintenant, soit je me fais avoir
comme il faut. Il est encore là où Paul est? Non. Si, il y a, regardez. Quatrième kill au couteau. Je trouve que c'est pas mal. Ça s'appelle un arrêt. Un arrêt au stand. Le saut avec le... avec le bord du tuyau. Pour me dire, ça va m'arrêter et je vais pouvoir continuer. Je trouve que c'est très très bien vu. Voyons voir. Voilà. Ils l'ont eu, c'est bon. Il y a du monde encore là-dedans ou pas? Non. Par contre, il y a du monde dans la pièce au fond là-bas. Ils l'ont eu. Ah putain, j'ai fait la réanimation mais j'ai pas pu aller me mettre à couvert. Par contre, si tu pouvais éviter de me bloquer, ça m'arrangerait. Oh, il l'a pas vu. Oh, j'ai hébé. Lui, il voulait pas le tuer, lui non plus. Prendre mes soins parce que... T'as vu le mec comment il l'a laissé? Dommage. Mais toi par contre, je t'annonce que si je peux te réapparaître dans le dos. Ramène-toi ici. Plus vite que ça. Vous doutez bien que je vais pas me gêner pour le faire. Dommage. Eh ben encore une victoire. Non, honnêtement ça se passe bien je trouve hein. C'est assez plaisant. Ouais, j'avoue vraiment que cette PDWR ouais ben comme dirait l'autre, je kiffe hein. Je kiffe grave. Veux gras même pour parler anciennement Jens. Non, parce que ça se dit plus maintenant, c'est très très démodé ça. Bon, voyons voir. Au niveau des missions, qu'est-ce que je pourrais avoir à éventuellement aller chercher? Alors, les plaques. Hop, hop, hop. Celle-là, c'est quoi? Faire 50 victimes à la carabine. Ça, c'est faisable. J'aurais juste à prendre une... par exemple, le G36. Mais peut-être plus en conquête que là. Faire 5... oh, ouais, MP443 avec silencieux. Ah là c'est My Name is Bond de James Bond. Rambo il manque. Regardez, faire 5 victimes en même temps. Alors, certains me disent qu'il faut faire une seule fois 5 victimes. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Je suis d'accord, il y a marqué faire 5 victimes en même temps. Mais vous avez vu à côté, il y a le 0 sur 5. Donc, ce qui me fait dire qu'à mon avis, il faut faire 5 fois du multi-kill. Donc, c'est ce que je trouve assez bizarre. Et je pense que c'est ce qui pousse aussi un petit peu certains à utiliser en ce moment depuis l'arrivée de ces plaques-là, un petit peu le C4. Hein, où on voit beaucoup de C4, hein, ou du moins c'est revenu un petit peu à la mode le C4 sur objectif. PDWR, on va voir. On va voir, à moins que on fasse une petite manche au snipouze. Allez, on se la joue snipouze un petit peu. On va essayer du moins. On va essayer de pas trop déjà se faire avoir. Et on voit. On va essayer de pas trop camper. Ah, c'est pas le but.
frag là. Une petite frag là. Éventuellement. Manqué. Dommage pour lui. J'ai fait mon premier kill. C'est pas beau ça? C'est bon ça? Oh putain, oui, bien joué. Il m'a bien baisé la gueule. Très très bien joué. Alors, voyons voir où c'est que... Où c'est que je peux aller me mettre? Vous savez quoi? Je joue jamais comme ça. Et bon, on va changer. Deux petites minutes histoire de, d'essayer de voir un petit peu ce que ça peut apporter. Quel plaisir on peut, ressortir de... Voilà, toi c'est fait. Il est touché. Oh, juste touché. Touché encore, même pas, enfin pas touché là par contre, non non. Oh putain, bien loupé. Il va falloir qu'il vienne me chercher une, hein. Voilà, reste tranquille. Pas forcé comme ça, faut toujours y aller pépère. Ah, par contre le JNG avec le viseur holographique, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa à mon avis. J'ai vu là-bas, regardez. Au revoir. Ah, je la joue snipe, hein. Là je... C'est comme dans les films de sniper, le mec il prend sa place et... Ouh! Ah putain, je touche! Je touche, mais ça suffit pas, je ne tue pas! Il n'y aurait pas un là-dedans des fois. Quand même vérifier de ne pas me faire prendre. Voilà, toi, reste tranquille. Oh là-bas là, vous avez vu? Ah, c'est un pote. Putain, je suis coincé. Oh, j'ai été maladroit. Ah, le boulet. Le boulet. Ah, je crois que c'est moi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Où il est, lui? Pas là, là. C'est quoi? Je vais essayer de monter là où ils étaient tout à l'heure, les deux que j'ai tués là. Je me dis que par là, il y a effectivement une bonne, il y a toujours un bon angle de tir. Après, le problème, c'est de pas se faire choper. Il est lui. Ça shoot, hein. Là. Ouh, celui-là. Il était pas piqué des hannetons. Bon, on va voir. Regardez là, lui. Il va revenir à la fenêtre ou pas? Ou pas d'ailleurs?
Oh putain, le PD. Voilà. Bon, ensuite. Peut-être un peu sur les cailloux d'en face là. Peut-être moyen d'en choper un. Joli, ça, ça a pété. Ce qui m'étonne, c'est vraiment de pas trouver de sniper en face. Hein. Allez, ça va arriver là. Le mec, il va essayer de venir me chercher. Non, même pas. Même pas, même pas. Et je vous jure, je suis surpris d'avoir vu personne encore venir me déloger de là. Eh ben, on va remonter, hein. Honnêtement, je pensais vraiment qu'il venait là. Bon, on voit quand même que c'est pas... Que le sniping, hein, c'est quand même pas non plus mon fort. Oh, bien joué. Il m'a fallu 6 mois pour me rendre compte qu'il y avait quelqu'un. Alors par contre, quand ça va arriver là, il va falloir que je sois prêt. Je suis médecin. Vous avez besoin d'aide? Ah putain, ça a pas suffi ma grenade. Loupé. Voilà. Oh, la suppression là. Vous avez vu comment ça tire sur moi? Dis donc. Pourquoi t'es vilain comme ça avec moi toi? Oh toi, par contre tu vas ressortir là. Forcément à un moment où il va falloir que tu ressortes. Non, ça ressort pas. Si. Ouh, là-bas, là, vous l'avez vu? Regardez, là-bas, lui, là. Au revoir. Au revoir. Oh le salaud, bien joué. Oh Nicolas du 22, salaud, t'allais pas loin. T'avais pas le droit de venir me tuer, c'est moche, c'est très très moche ce que t'as fait. Je vais être obligé de me venger. Il en reste 3 les gars, allez on y est presque. Attends, pour une fois que je snipe, oh. On se fait le dernier fils de pute et on peut mettre les voiles. Ben voilà. Troll, tout de suite. Non, j'avoue, je mérite, je mérite. Je mérite le sort qui m'a été... que j'ai subi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. C'est pas super chouette la manière dont j'ai joué. Mais voilà, une fois n'est pas coutume. Alors, écoutez, je pense que au nombre de fois où je me fais tuer par des campeurs, par des snipers, je pense que sur une partie de temps en temps, je pense pouvoir jouer un petit peu au snipe. Surtout, voilà, on voit honnêtement que c'est pas forcément mon fort. Hein. Je tue pas forcément tout le temps en une balle. Il y a des fois, il m'en faut 2, il m'en faut 3 même. Donc, mais bon, ça va quand même un petit peu mieux. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Ça devrait quand même... J'espère pouvoir un jour réussir à jouer comme on peut voir les snipers sur YouTube, hein, honnêtement. Moi, des fois, quand je vois Mythic Furious, je me dis bravo. Ouais, chapeau. Pour moi, c'est tout bonnement impossible. Je ne peux pas, je ne sais pas jouer comme ça. Et quand j'en vois certains réussir à faire ce qu'ils font, c'est... respect.
Respect. Voilà, et même pour moi, pour jouer comme ça, il faudrait que je joue en extrême. Peut-être le JNG, viseur holographique, histoire d'avoir le mec vraiment en face de moi, pas une grosse croix, pas un gros zoom, voilà, ce genre de choses-là. Peut-être que là, éventuellement, je pourrais réussir à faire des choses, mais là, sinon, c'est trop trop compliqué. Depuis 2 minutes, j'étais là. Ah, mais il est mis du temps pour me tuer alors. Ah, bien joué. Je sais pas pourquoi vous avez vu, j'ai sorti le viseur, j'ai attaqué à viser un hardscope et j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Allez, on va faire le tour parce que là, je viens déjà de prendre une balle, vous avez vu. Allez, essayez. Oh, salaud, bien joué. Putain, je l'ai pas vu arriver. Hein. J'ai même pas eu le temps. Hein. Là, pareil, hein, j'étais en hardscope, mais je l'ai pas du tout vu arriver. La trousse est à tes pieds. Allez, on va mettre des soins là. Ah putain! Allez, ça fait deux fois lui, hein. Ça fait deux fois qu'il me bute. Et à cet endroit-là. Oh, mais là, ça pue trop. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, il y a beaucoup trop de monde. Il va falloir réussir à faire quelque chose à un moment. Essayer d'aller les déloger un peu parce que là. Je. Oh non, mais. Vous avez vu le mec? Il a attaqué à tirer à un endroit où j'étais pas, et moi j'attaque à tirer, je le tue pas. Très particulier, quand même. Ah, bah quand même un kill. Putain, j'ai du mal là. Ah, il faut dire que cette map là, je ne l'affectionne pas particulièrement, loin de là. Oh, puis mais là ils sont trois. Alors j'ai eu Nicolas du 22, mais tiens, je me suis vengé. Il a voulu me tuer au couteau. Ça y apprendra. Mais alors par contre, il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde derrière. Là, forcément, j'avais vraiment aucune chance. Hein. Et saute, saute encore. Hop là. Peut-être que ma frag peut donner quelque chose. Je me méfie là. Il y a beaucoup de monde. Hein. Mec, il est allé sacrifier au C4 quand même là. Dommage. Vous avez vu? Non mais vous avez vu le bug? Il s'est retrouvé à côté de moi, à 4 mètres plus loin. Oh Nicolas, je sais pas comment tu fais, mais tu triches, c'est pas beau. Non honnêtement, il y a que ça comme explication là. De à côté de moi, à 4 mètres, en un rien de temps alors que j'étais en train d'y tirer dessus. Y a quand même pas 50 000 explications, hein. Ah putain dans mon dos. Ah ouais mais là. Ils sont 2, 3. Ah, je peux pas faire grand chose. Hein. Allez, je vais tenter de éventuellement refaire le tour. On va essayer de passer par là-bas. Essayer de contourner par là, là. Je me dis qu'éventuellement. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
De toute façon, ils sont là-bas dans le coin là. On a repéré un sniper ennemi dans votre secteur. Terminé. Vas-y, soin. Je suis couché. Oh, puis vous avez vu la grenade? Ma grenade, elle y a pété au cul. Oh, il y a un schmilblick là. Bien détruit le truc. Lui il campe là. Il a failli camper. Il campe plus là. Voilà. Le ménage a bien commencé. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Hein. Alors on va retourner là-bas. Ah, j'ai fait un bon ménage là. Dommage. Voilà. Peut-être que ma grenade peut faire effet. Et relève-toi. On va se reprendre là. Oh non! Oh non, j'ai été maladroit. Ah, j'ai été maladroit, du coup, ça m'en a cassé ma série. Ça m'a cassé la série! Putain! Allez, ma frag là. Ah, j'ai plus le temps. Quoi? Salaud. J'ai encore tué Nicolas. Et je l'ai pas vu. Honnêtement, je l'ai pas vu du tout. J'étais pas super attentif à ce qui se passait à côté de moi là. Je l'avoue. Calme-toi. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Ok. Encore. Non mais là, me reste pas. Hein. Là, je vais remourir instantanément. Je me dis qu'avec le jet de la grenade, là... Allez, je vais faire le tour. Essayer de les prendre par là. 94 à 76, un autre kill serait le bienvenu. Ah putain, bien joué. Très très bien joué. Ah ouais, voilà. Pourtant, j'avais pas accepté la raise. On va à 99, 81. Et on va gagner. Et ben voilà. Bon. Et ben écoutez, je trouve que ça a été une... un bon épisode, une bonne vidéo, je pense. Je pense que vous prendrez quand même pas mal de plaisir à la regarder. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu vraiment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très rapidement avec une nouvelle vidéo sur Battlefield sur ma chaîne. Allez, salut les amis!